Hey, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Wargamer. Et oui, regardez, j'ai un bouclier. Nous sommes passés ce week-end en 1.9. Voilà, donc en fait, si je suis ici en fait dans le Nether, c'est tout simplement parce que, évidemment, vu qu'on est passé en 1.9, j'ai presque plus de nourriture parce que, évidemment, que la saturation. Enfin, c'est une saturation qui a changé la nourriture part encore plus vite qu'avant. En plus, on est en hardcore, donc bon. Et du coup, ça veut bien, puisque ça a tendance à ramer un petit peu, je sais pas pourquoi. Ça a des gros gros lags. Ah bah, ça, c'est bon, je peux l'ouvrir. Bah, je vais prendre du fer, de toute façon, étant. Bon, voilà. On va laisser les fleurs se remplir, hein, c'est pas grave, ça. Hop. Hop, hop, même si en fait on devrait même on devrait les jeter toutes ces fleurs. Oh, c'est le bordel. Voilà, donc toutes ces fleurs je vais les jeter en poubelle, hein. De toute façon personne ne les utilise. Ah d'accord, si je fais des fausses manips, évidemment mon doigt qui tout, enfin bref. Non, j'ai pas de place à temps, c'est pas grave. Alors, est-ce que j'arrive à ouvrir ce coffre? J'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah voilà! Donc évidemment, je fais mes petites réserves de nourriture. Parce que ça diminue énormément. La bouffer ensuite, et ensuite on va retourner chez moi juste pour ranger tout ça. Et je vais un peu vous expliquer du coup, un nouveau projet totalement inédit qui n'était pas prévu de base. Oui, comme vous pouvez voir, ça rame un petit peu. Donc oui, il manque une bannière parce qu'en fait je l'ai récupéré pour faire du coup mon bouclier. Et du coup on va aller chez moi. Donc voilà, on se retrouve là-bas et puis ensuite je vous explique pour la suite. Donc voilà, je suis rentré chez moi. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Mais oui, nous sommes passés dans l'End. Et oui, nous avons tué du coup London Dragon ce week-end samedi dernier, c'est-à-dire exactement en fait samedi dernier. Et du coup, avant de continuer la suite, c'est un petit peu bizarre comme formulation. Avant de passer à autre chose, je vais du coup vous passer quelques petits extraits en fait de notre petit passage dans l'End. Avec la mort du dragon, malheureusement c'est vrai que vous allez voir que j'ai pas pu filmer la mort du dragon, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est moi qui... Moi je suis mort. Bon. Alors vous pouvez voir, hop, je suis passé à 41 morts, et oui, parce que je suis mort dans le Nether. Vous allez voir pourquoi, donc on se retrouve juste après ces petits extraits bien sympathiques, et ensuite je vous explique juste quelques petits projets par rapport à tout cela. Et on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a réussi à, oui, à faire marcher la 1.9 avec Forge sur MultiMC et Optifine? J'ai aucun bug. Et t'as pas de bug? Putain, moi j'ai essayé tout à l'heure. Non, le seul truc que j'ai eu, c'est à un moment j'avais un chunk qui était invisible. Ah oui, le portail il avait explosé. J'ai fait un F3. Oui, les Enderman ils sont beaucoup plus agressifs. Tu les regardes à peine, ils t'attaquent. Avant, il fallait regarder le visage, que maintenant tu regardes juste au niveau du torse et t'attaques. Tu vois, ses testicules et ça va pas. Putain, ils sont susceptibles, c'est normal. Pourtant, d'habitude, ils aimaient pas quand on regardait les testicules, c'est bizarre. Est-ce qu'on est tous prêts? Et vous êtes tous un bouclier, mais vous avez cru qu'on allait battre. Non, j'ai pas de bouclier. Non, je profite de bouclier, John, moi, juste un arc. Appuie sur F, John. Appuie sur F. Pourquoi? Mais t'as rien dans l'autre main, ça me cesse. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, bah quoi que je pourrais mettre la bouffe. Ah, wow. J'aurais dû prendre des... Comment on appelle ça? F, c'est ma des boules de neige pour jeu. Casser les... Mais non, t'as un arc infinity. Bon, on place... Tout bon. Vous voulez pas les mettre des RT sur Twitter? Parce que on est 4 à la live, c'est dommage. Tu veux faire quoi? Tu veux une cinquième personne? Je peux rejoindre la live. La flemme. Bon, bah, je vais mettre les Ender Crystals. Non, mais attends, deux secondes. Thierry pourrait même pas regarder, il a un événement sur Adopt un Cube. C'est quoi Adopt un Cube? C'est le serveur sur lequel il joue. D'accord. Adopt un Cube, et c'est quoi le rapport? C'est là où tu trouves l'amour? L'amour.
l'amour. Moi je mets en F1 pour faire mes trucs. Même si on est différent. Non. On va éviter de se tuer trop que ça. Quand même. Ça fait vraiment super bizarre d'avoir un truc dans ma main gauche. Sérieux? Oh putain, mais vous êtes pas sérieux. Non, attends, on a arrêté ce que sont ça. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu as dans la main gauche? À quel genre de monde ça tue? Du poulet. Bon. D'accord. Bon allez. Regarde, John. Oh. J'ai hache de bataille et un bouclier. Oh, yeah. C'est nul. C'est bon les gars. Eh les gars, lancé un point info. Pilou. Wow, la tour, elle a apparu comme ça. Pouf. What? What? Eh oh les gars, il faut avancer là-bas. Ah mais c'est vrai qu'il a que ça s'apparaît au centre. Waouh, c'est beau. Waouh. En fait, on a de l'obsidienne infinie là. Oui. C'est génial. Ouais, surtout qu'on peut le respawn en plus. Donc. Là j'ai Pierre. Non, il faut attendre qu'il apparaisse. Bon, maintenant ça va être compliqué. Allez. Ah. Aïe. Ça se voit que ça fait longtemps que je joue plus. Ok, ça c'est fait. Aïe. Par contre, le Dragon Breath, où est-ce qu'il va le mettre? Au milieu. Sous la. Oui. Ah là, il y en a. Ah, il me reste deux cœurs. Ok, t'as ramassé les bouteilles, connard. Ah, pardon, toi, je te le passe. Et dans il y a des Dragon Breath. Ok. Ou... Ok, salut. Non. Bah, je n'ai eu que 7, c'était les mêmes que j'ai fait à l'instant. Qu'est-ce qu'il vient de se faire injecter par le dragon? C'est moi. Bah ça. Heureusement que je me suis mis à l'abri pour rire. Pour récupérer le stuff. Ah oui, parce que là c'est pas le... Bon, le truc là-bas t'as détruit. Oh, je l'ai touché là. On les a tous pétés les Lecto ou pas? Non, il en reste. Pas. Ah, il reste celui-là là-haut, mais si je peux pas l'avoir. Oui, lâche ta semence. What? Sérieux, mec? Le petit t'a vraiment dit cette. Donne ta semence. Oh là là, papa, je vais mourir. Non. Crève sous la semence. Je vais crever. Oh, mais j'ai fait un vol plané, j'avais pas d'élytra. Non. Non, putain, je vais me faire buter par les Endermen. Ouais, c'est les Endermen qui me grave. Quelqu'un peut récupérer mon stuff et me ils sont plus dangereux que le dragon, quoi. Non, moi je l'ai cherché. Mais en fait, c'est que j'étais trop près et du coup, le dragon. Oh. Non. Non. Oh. Ah putain, en plus je vais me toucher, c'est Je veux pas, mourir par les Endermen. Ça veut dire que je suis tout seul là. J'ai eu 40 morts. Je suis bientôt là. Je suis à 40 morts. Oh non, putain, c'est quoi ce stress? Putain, mais oh, les Endermen quoi, j'ai jamais galéré pour faire un dragon de ma vie. 40 morts. Ça veut dire que moi j'ai un gars réussi ton coup pour une fois. Oui. 40 morts. Bon, et est-ce qu'on va pouvoir récupérer les stuff maintenant? Bah, moi j'espère qu'il n'y a pas des pop. Moi je suis un demi-cœur. Hein. Moi je pars. Ah, y'a! Moi le temps que j'arrive. Bah, moi aussi, le temps que j'arrive. Hop, putain! Il y a les Enderman qui attaquent le dragon. C'est une juste. Oui, oui. Ouais, c'est parce que le dragon il a attaqué du coup les Enderman. Avec le Dragon Burst là. Ok, bah, ma foi. Allez, viens, ta pète! Bon, moi j'ai fait ma tata, j'ai déco et ça me permet de sauver. Je pense que quand les Endermen t'en focus. Mais je comprends pas parce que j'en ai pas regardé l'Enderman. Non mais c'est quand tu regardes. Quand tu regardes juste le torse et t'attaques. Non mais je les ai pas regardés. Ou alors j'ai pas fait gaffe mais je pense pas les avoir regardés. Je me fais des plateformes hein, pour me protéger. Ouais, fais des plateformes. Ah bah c'est à moi ça, attention. Faut que j'aille chercher mon stuff. Je peux récupérer mon stuff. Bon, normalement je vais arriver à temps, mais est-ce que je vais réussir à le récupérer? Moi c'est bon, là je suis dans l'aide. Ah, ça marche vachement bien la hache en fait. Hein. J'ai mon stuff! Moi aussi. Oh putain de lag, allez! Ah, j'ai plus mon torse, il est plus. Whoops, aïe. Mon plastron il a disparu. Ouais. Mon armure! Où est mon stuff?
Non. Dis-lui ce que tu veux, qu'on récupère ton stuff ou tu vas revenir à temps? Récupérer quand même mon stuff pour le mettre dans un coin parce que... Ah, je le sens pas. Qu'est-ce que je peux jeter? Ah, gros lag. Ah, quoique je vais peut-être revenir à temps en fait. Je me fais des décors à coups pour perdre la grosse. Non, des internets, il m'attaque. J'ai ton stuff, hein, je le mets dans un coffre. Je vous ai rien fait. Laissez-moi. Mais Poon, arrête de passer. Prenez des deux citrouilles peut-être, ça serait peut-être plus simple. Ouais, quelqu'un peut ramener des citrouilles. Des citrouilles pour quoi? Pour les mettre sur nos têtes. Ah oui, oui, ça va être drôle. Tiens. Allez, on l'enterre. Ah mais il est invulnérable à l'arc, s'il est comme ça? Oui. Je crois que partie de mon stuff est parti dans le néant. Ilu, tu l'as mis où? En fait, là je suis au niveau de la plateforme, je t'attends. Je crois que partie de mon stuff est tombé dans le néant, donc bon, merci. Non. Ah, c'est pas mal ça. Ça. Dans un coffre. Putain. Eh oui, ah oui, des armures de ouf. C'est ça, Jonah, c'est ça. Oh oui. Ah ouais, putain. Non mais je pensais pas à ce point-là quoi. Ah oui, là c'est vraiment pété. Eh hey, ma hache elle est où? Oh, j'ai perdu ma pioche. Oh, j'ai perdu ma pioche du ouf. Bon bah ça y est, j'ai une pioche fortune 3 mendy. Bon c'est bon, je suis revenu. Salut. J'ai plus de lag apparemment, donc j'arrive. Ça va les gars, vous avez rushé la game? Ça va, impeccable, je peux rentrer chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. Bon bah c'était cool, SLT, allez salut. On se la joue entre voilà, potes quand même. On se retrouve au prochain épisode. Instant heals? Non, en plus c'était popo et tout. Ah, j'ai pas regardé les popos, tu vois. Non, ils s'en branlent. Oh merde, un shulker. Alors du coup, maintenant, si je saute, je vole direct, hein. Ouais, faut équiper les élytras, quoi. Bah, elles sont équipées. Oups. Non. Et là, je suis bien content d'avoir les élytras, parce que... Alors, voyez-vous... Parce que ça rend pour passer. Le shulker m'a envoyé à genre 200 blocs de haut avec sa lévitation, là. Ah, mais c'est trop bien, lévitation. Je suis sur une plateforme, vous avez fait comment pour passer? Ah, je suis content. Un truc à savoir, et qui est vachement pratique, c'est que... Coucou, John. Putain, et les élytras m'ont sauvé la vie, là. Parce que je suis tombé du bateau à cause de la lévitation. Ouais, mais t'as les Enderpearls pour te ramener. Mais du coup, les deux bateaux, où les gars, oui. Ouais, mais je suis bloqué dans un bloc, mais le problème, c'est que si je bouge, je tombe dans le vide. Bah t'es mort. Il faut juste que quelqu'un fasse une plateforme en dessous de moi. Ouais, j'ai plus de bloc pour remonter. Je peux miner avec mon vending quand même, pas la nouvelle, s'il vous plaît. Non, c'est bon, j'ai réussi à me débloquer. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Par contre, j'ai plus d'underpack pour rentrer en fait. J'ai une pioche fortune 2 et blast protection des bottes. Bon, c'est mieux que rien, mais. Batolog, t'as fait, John? Ouais, mais j'ai pas eu le temps de finir en fait. Il y a le shulker qui m'a propulsé dans les airs et j'ai dû me rattraper avec Zilitra pour pas crever en fait. Et c'est lequel le bateau là? Ah, il y en a un face là, mais je pense que c'est celui-là. J'ai fait le deuxième, moi. Celui qui a la colonne, il a déjà été fait celui-là? Oui, celui qui a la colonne, il a déjà été fait. Thank you.
cachot. Oh, mais le top, t'as tout pris. Moi, j'ai galère pour te faire remonter. Je suis en train de me taper cette tour depuis tout à l'heure. Ça va, je mérite. Mais ça a déjà été fait, ça, en fait. Bah oui. Oh. Ouais, d'accord. Ça sert à rien que je monte, alors. Oui, c'est vrai que les sons ont changé. Ça fait un peu bizarre. Donc voilà, on se retrouve juste ici. Je vous ai passé du coup les petits extraits, je pense que c'est assez marrant. Donc je suis resté très longtemps en fait à chercher, comme vous avez pu voir, de nouvelles forteresses. Mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé du coup, ben, au bout d'un certain moment, ben, j'en ai eu marre et du coup je suis rentré. Au bout d'une heure, évidemment. Ah ouais, c'est ça que je voulais. Et maintenant, pour la suite, comme vous avez vu que nous sommes dans l'Ender, et que il y a du coup plein d'îles volantes au milieu de l'espace infini et du monde... Bon voilà quoi, vous comprenez. J'avais envie de faire du coup un projet qu'au départ que je voulais faire sur le monde en survie avec les maçons, les maçons en folie. Mais que finalement, de toute façon le serveur a fermé et puis de toute manière, j'étais plus trop motivé au final pour jouer sur ce serveur là. Et donc finalement, moi, ce que je veux... C'est faire une espèce de base spatiale, ou en tout cas une base, sorte de base lunaire sur une des îles, évidemment. Donc changer, modifier légèrement pour que ça ressemble à une espèce de, pourquoi pas, soit un morceau d'un stéroïde ou d'une lune, machin. Et pour ça, en fait, pour faire les différents vaisseaux, il me faut du coup des bonhommes de neige. Donc je vais juste les... Hop! Les mettre comme ceci, donc ça je peux casser les coins. Donc je vais me faire deux bonhommes de neige pour récupérer tout ce qu'il me faut comme neige, évidemment, parce qu'il me faut de la neige. Pour répartir du fuselage blanc pour différents vaisseaux, les capsules, etc. Enfin, vous allez voir, j'ai déjà des trucs assez sympas de prévu. Donc voilà mon premier bonhomme de neige. Do you wanna battle down, man? Ça ne fait pas. Ah, c'est sur des dalles, ça ne marche pas. Ah mince. Bon. Eh bien. C'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Je vais en faire un deuxième. Et normalement, sur l'herbe, il devrait... D'accord, si je me trompe. Il devrait, normalement... La neige au sol, voilà. Hop. Bon, ben du coup, l'autre, je vais le buter. Au pire, vraiment, vraiment... Désolé, mais bon... Tu me sers à rien, tu fais pas de neige. Je pense que je ferai dans une des maisons peut-être une usine à neige. Non, parce qu'il faut de la neige. Ah, par contre, j'aurais pas dû faire ça sur le... J'aurais dû mettre en fait... j'aurais dû mettre de la stone parce que là, je peux casser la terre. Bon, c'est pas grave. Mon bonhomme de neige. Si vraiment j'ai besoin, je le déplacerai. Donc voilà, et donc j'avais aussi un petit projet justement que je vais faire en parallèle, c'est un petit projet vite fait, donc évidemment hors caméra je vais certainement continuer un petit peu ma cité ici, peut-être, je sais pas, je verrai. Bon, déjà cette maison j'ai pas fini, les maisons derrière j'avais fait un petit peu le toit, pareil j'ai pas fini. J'ai avancé ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait ça hors caméra juste après en fait la fin de l'épisode précédent, j'avais dit que j'allais sûrement modifier un petit peu la courbe, enfin la route, en faisant une courbe pour épouser un petit peu le creux qui était à ce niveau là. Donc c'est ce que j'ai fait, ça fait que ça rend très sympa. Avec évidemment des petits accès. Et ici des repères pour une future bâtisse que j'ai déjà fait en créatif. Et je vais du coup la reproduire, je pense. Je vais attendre qu'il y a le replay mode en fait en version 1.9 parce que pour le moment il n'y est pas. Ça sera beaucoup plus intéressant. Donc maintenant je vais faire des projets un petit peu secondaires entre guillemets. Déjà il y aura le bateau maison hindou, peut-être même plusieurs que je vais construire, je pense, prochainement. Ça, j'ai pas besoin de faire en replay mode, d'aller à la limite. C'est bon. C'est assez simple, hein, donc je pense que je vais le mettre dans cette zone. Faire une espèce de ponton pour pouvoir y accéder, je ne sais pas trop comment je vais faire, en tout cas ce côté-ci de ce lac, je pense que je vais faire ce genre de petit bateau hindou, ces petits bateaux maison hindou typiques. Voilà, donc je pense qu'avec les extraits du début pour l'End et la mort du dragon, que finalement j'ai pas pu filmer, surtout ma mort en fait, voilà, du coup... C'est quand même très sympa, donc je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. On se retrouve du coup, je pense, la prochaine fois
Dans l'Inde directement, essayer de voir si je trouve. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré. Je crois que c'est dedans. J'ai eu du coup Mending. J'ai eu un livre Mending qui est en français réparation. Sauf que j'ai pas encore le niveau pour mettre sur. Sur ma pioche, je pense que je vais le mettre. Là, je suis allé chez John Cobain parce que lui, il est un villageois qui change des émeraudes contre des Mending. Donc, je pense que. Évidemment que l'usine à gold a été réparée, du coup je peux avoir les XP, j'irai justement plus tard. C'est vrai que j'ai un peu moins de temps parce que je suis sur un projet aussi, un projet par rapport à Code, je crois que vous avez vu la bonne annonce de toute façon qui est sortie lundi. Donc voilà. Donc voilà sur ce, avec mon petit bouclier très sympathique, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a quand même plu, même s'il n'y a pas de construction, c'est plutôt voilà, un passage de 1.9 hein, avec le dragon, c'est quand même un truc assez important. Voilà donc, oui c'est un petit bug avec mon bouclier. Voilà donc, ça, je vais juste récupérer mon épée, voilà, c'est voilà. Ah, vous ne passerez pas, non. Voilà donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour la suite peut-être spatiale. Allez.